Pour voir si vos jaseries étaient en... La première semaine de travail en fait dans le décor donc réalisé par Pierre Bourquin que vous pouvez voir à l'image. Alors c'est évidemment le décor n'est pas complètement terminé, il manque pas mal de choses, des accessoires et puis les finitions, mais voilà le dispositif comme il sera. Et donc on en est à la première semaine de travail, c'est-à-dire qu'on vient de finir de poser le spectacle. Camille Elwood, point net. Le premier Donc on a posé sur cette semaine en fait l'ensemble du spectacle, voilà, ce qui est bien, on est assez content du coup là, puisqu'on a réussi à placer les trois actes et ils se redémarreront au mois de janvier, mais tout le monde assiste aux répétitions, décorateurs, musiciens, costumières, ce qui fait que maintenant tout le monde a du travail pour les trois mois qui arrivent. Estelle Moukny, Angélique, le notaire, Monsieur Florent, Monsieur Diafoy. Ce n'est pas parce que je suis son père, je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive. Sam, tu peux peut-être venir le faire en aparté. Alors, ça peut être marrant ça, parce que tu vois, si cette petite fille Argan est là et... Manuel Bac, doublure d'Argan, le temps de la mise en scène, pardon. C'est qui Marc, il ne tombe rien dans le parent qui me splénit. C'est-à-dire la rate de forêt! Il vous demande, à Coloc, il vous ordonne sans doute de manger vos bouillies! Rôti! Non, mais j'ai bouilli! Eh oui! Rôti! Bouilli! La même chose! À très bien. Benoît Dandievel, Cléante, Béline, Bérald, Thomas Diafoirus, Monsieur Burgon. Tout de même, me semble animé d'un transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la sphère nommée héliotrope tourne sans cesse autour du soleil. Essaye, je te donne deux problèmes, pour essayer d'autres choses, essaye-le beaucoup plus tendu, quoi. Tendu comme un élastique et sûr. Allez, su. Je ne conviens de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est pour bien faire. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Miséricorde. Vous deveniez dans la voie d'hypepsie. Ah, monsieur Piongo. De la voie d'hypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Piongo. De la dyspepsie dans la dyspepsie. Monsieur Piongo. De la dyspepsie dans la lianterie. Monsieur Piongo. De la lianterie dans la dysenterie. Monsieur Piongo. De la dysenterie dans l'hydropisie. Ah, monsieur Piongo. Et de l'hydropisie dans la privation de la vie. Ah. Ce qu'on espère surtout, c'est que qu'il y ait du monde qui a envie de venir voir tout ça, parce que le spectacle va tourner tout de suite, puisqu'on sera, après une semaine de représentation ici au Royal Box, on sera à Saint-Omer, au Touquet, au Théâtre Sébastopol à Lille, et on reviendra à Le Portel. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver vos places très vite. On dit à Le Portel. Absolument. Tout à fait. Bon, il y a de très bonnes choses. Hein.